Parti. On reprend les aventures de Kerapus, l'Argonia courageux, l'archer le plus précis de l'histoire. Nous sommes partis. J'ai l'impression que le son est moins fort que tout à l'heure. Voilà. C'est un premier crash pour le jeu, merci beaucoup. Merci beaucoup, Obdidion, ça fait extrêmement plaisir de savoir que tu es là avec nous ce soir. Quel jeu, mais quel jeu! Quel jeu fantastique! Ah, c'est peut-être à cause de Discord que ça a planté, je ne sais pas, peut-être. Hop. Alors qu'on se rendait sur la route de Vgvatch, nous sommes tombés sur une espèce de temple étrange. Wendir. Comme Casper et Wendir. Alors. Fait le jeu. Votre acrobatie était augmentée. Hop, hop, oh là 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 là, le main. Oh le main. Oh là, mais quel héros. Ah ouais. Excusez-moi. Mais ça fait mal. Ouais bon, on va peut-être pas rester ici finalement. Je pense que ça doit être un endroit pour une quête et je pense qu'on a absolument rien à faire là. Donc on va s'en aller. On va s'en aller, on reviendra quand on aura une quête. Il me demandera d'aller là parce que là pour l'instant, à part prendre des coups, ça ne mène à rien. Fuyons la vie. Vous avez trouvé Wendy, ah bah ça je l'ai bien trouvé même on va dire. Hop. Alors en ce moment il y a un petit bug sur Twitch là, actuellement, on peut pas accéder au VOD. Donc j'espère que ça va bien sauvegarder quand même les VOD des streams. Alors. Bon. Un petit papillon. Hihihi, reviens là, petit papillon. Hihi, je vais t'attraper. Putain, c'est pas vrai. Bon, ce n'était pas le meilleur en termes de chasse aux papillons. Oh, laissez-moi boire un petit peu de café avant. Avant que ça parte en couille. Voilà, donc allons-y. Pom 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 pom. Serait-ce une auberge?
Vous avez trouvé Weatherly. C'est mystérieux. Oh bah dis donc. Mais que s'est-il passé ici? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ouais, ben dis donc. Oh là, dis donc, ça fait beaucoup de cadavres. Hein. Je pense que c'est un charmant endroit pour dormir. Ah, let's go. Oui, je voulais mettre de l'endurance. Voilà, un peu de personnalité aussi, on en manque jamais. Hein. On en manque jamais. Allez, un petit peu de volonté, voilà. Hop. Un build bien réfléchi, hein, il faut le savoir. Tout est bien. Ça, il faut le savoir. Hein. Quand je suis un personnage d'Oblivion, voilà, je fais pas à moitié. Tac. Ok. C'est boring. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Pierre sanctuaire de Julianos. Connaissez la vérité, observez la loi. Priez aux autels de mes chapelles pour recevoir mes bénédictions. Oh, merci Julianos. J'ai l'impression que c'est la tempête dehors. C'est peut-être pas qu'une impression. Oh alors regardez-moi ça, ces petites fougères, ces petites plantes là, qui bougent au gré du vent. C'est beau. Oh là 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 là. Ok. Où est-ce qu'on va maintenant? Maintenant. Fort dit riche. Voilà. Sac dose va. Qu'on a là-dedans. Voilà, c'est pour ça que je préfère à l'arc, hein, globalement, parce que bon, les combats à l'épée, c'est pas non plus le truc le plus fun dans Oblivion. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, attention, la fufu. Oh, bien joué. Franchement, il a pris cher. Oh là là, pff, magnifique. Magnifique. Quel gameplay, bordel. Hop. Il faut que j'essaye mon pouvoir de Palpatine. Aucune limite à mon pouvoir. Ça a l'air pas mal. Ah merde. Ok, donc ça fait pas, c'est pas efficace les flèches en fait. Puis tout à l'heure je lance alors que ça sert à rien.
De l'ectoplasme, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Un cercueil. Des habits, un en laiton, en laiton, en laiton. Ok, petit geste rituel. Ok, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On s'est bien rassasié. Alors, voilà. Mec, il sait pas lire. 20 fléaux sombres. Encore un autre. Pas de potion. Ah. Ok. Alors. Prenez tout mon or. On est déjà le 21 octobre, j'en peux plus. Parfait. On arrête les conneries, oui. Et bon. Alors, oh. Petite amulette, pour ce que ça vaut, je ne sais pas, mais ça a l'air sympa. Ok. Ah, aïe, les pièges. Oh, je vais skier, wesh. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Attendez, je fais un petit truc. Voilà. Hop. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouf. Voilà. Ah mais on a fait le tour, non? Ah ouais. Ok, bon, on se casse alors. T'as eu quoi par là? Ah, un rat. Sûrement des rats. Youp, voilà. Ok, ok. Ok, on est bon. Ok. Bon bah voilà. Bah je m'attendais à mieux. Hein. Hop. Bon, continuons vers le Gvatch. Et oui, voilà, c'est une zone de chargement. Pourquoi? Parce que bah, derrière, il y a une immense ville et qu'il faut la charger. Oula. C'est-à-dire que voilà, déjà à l'époque ils avaient le trick des open world où tu mets des montagnes pour cacher un truc derrière. Oh mais c'est pas vrai, tu vas bouffer. Voilà, merci. Merci, hop, sans soumettre toute la vie. Et après on est heureux. Alors.
C'est Skingrad là-bas, ouais, c'est ça. Il y a une quête plutôt sympa à Skingrad. Je propose qu'on... On va se la garder pour plus tard en vrai. Quand il y aura un peu plus de monde. Parce qu'elle est quand même bien épique. Bon bah, j'avais dit qu'on continuait la quête principale, donc c'est ce qu'on va faire. Allez, let's go. On va aller faire notre première porte d'Oblivion, comme ça après on va niquer toute la RNG du jeu et ça va être magique. Parce que là après tu dis waouh, ouais, trop beau les décors. Et après tu auras une porte d'Oblivion là, une là, une là, une là, une là. Bon, j'exagère un petit peu mais un peu l'idée. Il y a peut-être un mode pour réduire le nombre de portes d'Oblivion après. Voilà un petit sanctuaire totalement au pif. Ah putain mais... Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit Kvatch, légèrement. C'est beau. Toutes choses parlent avec la voix de la vie, même les eaux de la terre. Cette coupe. Que voulez-vous, Améridia, la dame des énergies infinies? Oui. L'étincelle de vie se trouve en vous, et vous êtes le bienvenu ici, dans le sanctuaire de Méridia. Il est possible qu'elle vous parle, sous certaines conditions. Ah bon? Laissez une offrande dans ce sanctuaire. Méridia exige un droit de passage sous la forme de vestiges de ses ennemis, les morts vivants. On en a buté pas mal, mais je sais pas si j'ai récupéré... J'ai trop la crainte de me trimballer avec trop de caca. Il sait que j'ai pas pris spécialement de quoi. Un l'ectoplasme. Ah, peut-être. Observons que... et nous attendons. La vie est une bénédiction, et la mort n'est pas la fin. Mais il y avait un champion plus puissant dans cette quête. Ok. Faut quelqu'un de plus stylé. L'un des fidèles de Méridia m'a dit que pour invoquer la Dédra, une offrande provenant du cadavre d'un mort vivant était requise. Ouais, voilà, merde. Bon bah, on verra la prochaine fois. Un loup? Oula, non, c'est pas un loup ça. C'est pas un loup du tout ça. C'est un putain d'ours. Arrête, hein. Je t'apprends à m'agresser. Mais merde, putain, je suis pourri. Oups, oups, oula, oh, bah, putain. Croc d'ours, weld. Ok. Bon, voilà. Oui, vous avez compris. Soyez fort en combat, lutter contre les mâles. Priez aux hôtels de mes chapelles pour recevoir la bénédiction. Ah, sanctuaire de Tiber Septim. Encore un donjon au pif.
Miskarkor. Ah foutu gobelin. Allez, bye bye. Il est tellement criblé de flèches, quoi. On est juste voir à l'entrée, voir s'il y a un mort-vivant. Sinon, on va pas se faire chier. On va vraiment pas se faire chier, sinon. Non, c'est que des gobelins qui vont se casser. Ouais, j'en ai marre. Des petits gobelins là. Ras le bol. Oh merde, je glisse! Oh mais ça suffit, oui. C'est bon, j'en ai marre de me faire aggro par tout ce qui passe, là. Ah, c'est beau. Encore, mais c'est pas vrai, encore ce putain de loup là. Voilà, je le goûte au côté obscur, enfoiré là. Oh, un bandit. Eh bien, quel est le problème? Vous fatiguez? C'est tout ce que vous savez. Jetez-vous sur mon épée pendant que vous... Ah, c'est pas possible ça. Campement mortel. Vas-y, ils m'ont énervé, donc ils méritent un châtiment digne de ma colère. Ok. Ah, bah, oh, c'est débile, comme le sort il s'enlève trop facilement, genre. Tu glisses un petit peu, le sort d'invisibilité il s'enlève direct. Ah, merde. Voilà, parfait.
Parfait. Bon, allons à Kovacs. Ils sont toujours par deux, les biches. Hein. Non, c'est vachement trop au fond. La prouesse technique de ce jeu, quand même, pour l'époque, c'est vraiment foufou. Hein. Voilà. Et ça, c'est beau. Oh, mais quelle aventure. Bon, dommage qu'on ne puisse pas aller là-bas, mais quand même. Quand même. De l'aloe vera, tout ça. Ouais, elles sont par trois maintenant. Incroyable. Le jeu qui ne finit plus nous surprendre. Merde, on a dépassé la route, en fait. Kovacs, Skingrad, Imperial City, ah. Pourquoi tu cours, reviens. Ah, oh merde. Il se fait aggro par un fucking loup. Toujours, et encore, un fucking loup. Voilà. Reviens, mec. Ah, t'es là. Viens me parler. Mais il est mort. Mais reviens, il est dead. On me dit pas que t'as aggro un autre truc sur le chemin. Non mais reviens. Ok. Bon bah on verra ce qu'il veut. Ah. Venez. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Le mec la fait des allers-retours. Toujours la route, mais ils ne tarderont pas à se faire écraser. Par le sang des dieux, vous n'êtes pas au courant, n'est-ce pas? Le Dédra a renversé Kvatch la nuit dernière. Il y avait des portails luisants sur les murs, les portes d'Oblivion. Il y avait une créature immense, tout droit sortie d'un cauchemar. Elle a traversé les murs en crachant du feu. Il grouillait autour d'elle, tuant. Mais qui est l'acteur?
Allez voir vous-même. Gvatch est une ruine fumante. Il ne reste que nous. Vous comprenez? Tous les autres sont morts. Ils sont dead, ça. C'était Savlian, Mathius. D'autres gardes nous ont aidés à fuir. Savlian dit qu'ils peuvent garder le contrôle de la route. Non, non, je ne le crois pas. Rien ne peut les arrêter. Si vous l'aviez vu, vous comprendriez. Je file avant qu'il soit trop tard. Ils seront là dans une minute, je vous assure. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Je n'arrive plus à trouver le sommeil. Quand je m'allonge et que je ferme les yeux, les images se bousculent dans ma tête. Que voulez-vous? Au milieu de la nuit, alors que tout le monde dormait, une porte à destination d'Oblivion s'est ouverte. Des Dédras en sont sortis et ont mis le feu à la ville. Beaucoup de gens sont morts, mais certains ont réussi à en réchapper. Si vous voulez parler du prêtre, je ne crois pas qu'il ait réussi à sortir de la ville. Presque personne n'est sorti. Mais Savlian Mathius en saura peut-être davantage. Il dirige les gardes de la ville qui défendent le camp. Vous le trouverez à la barricade érigée en haut de la rue. Il tente toujours de maintenir la cohésion parmi les gardes restants. D'accord. Assez parlé. Je n'ai pas grand-chose. Je n'aime pas en parler. Quand je me suis réveillée, tout le monde... J'ai eu la chance de survivre. Mais mes amis, non. Sylvanas Courcevin. Vous avez mal choisi votre moment pour venir à Gvatch. Prenez soin de vous. La ville a disparu, et la plupart des habitants ont péri avec elle. Les Dédras sont arrivés par la porte, au cœur de la nuit. Bonjour. Oh, ah ouais? Bienvenue à Gvatch. Nous avons eu quelques ennuis, comme vous pouvez voir, mais la boutique est ouverte. Quelle boutique? Je n'ai plus rien à vous dire. Gvatch est fini. Il ne reste plus rien. Allez, allons voir ça par nous-mêmes, en tant que héros vaillants. Oh, le mouvement de la queue, wesh. Il me semblait qu'elle était plus statique, non? Eh ben dis donc, c'est rentré le mordu ici. Et voilà, la première porte d'Oblivion. Écartez-vous, civils. Vous n'avez rien à faire ici. Nous avons perdu le contrôle de cette fichue. Tout s'est passé beaucoup trop vite. Nous avons été pris de vitesse. Certains ont réussi à rejoindre la chapelle. Mais les autres ont été abattus dans la rue. Le comte et ses hommes sont toujours au château. Et maintenant, on ne peut même plus retourner en ville pour les aider avec cette fichue porte d'Oblivion qui bloque le passage. C'est la seule chose qu'on puisse faire. On va essayer de résister. Voilà ce qu'on va faire. Si on ne réussit pas à maintenir cette barre, je dois tenter de protéger les quelques civils qui... Une espèce de portail qui donne sur... Ils en ont ouvert une juste devant les portes de la ville.
Ma maison. Ma fichue maison en feu. Ça me ronge de ne pas pouvoir y aller. Et de ne pouvoir rien faire. Ma maison, mais sûrement pas ma famille. Seulement j'avais un moyen de contre-attaquer. Mais on ne peut pas laisser la barricade. Vous voulez dire le prêtre ? La dernière fois que je l'ai vu, il menait un groupe vers la chapelle d'Akatosh. S'il a eu de la chance, il est coincé là-bas avec le reste. Et donc en sécurité pour le... Ok. Vous voulez nous aider ? Si vous voulez vraiment faire quelque chose, c'est sûr. Je ne sais pas comment fermer cette porte. On voit les marques qu'ils ont laissées. Si vous pouvez y entrer, découvrez ce qui leur est arrivé. S'ils sont vivants, tout ce que je peux dire, c'est bonne chance. Du coup, non, si on peut juste skipper, aller à l'intérieur. Ah ouais, je peux totalement faire ça. Bon, allez, on va quand même faire cette porte. Alors, c'est pas le truc le plus fun de Oblivion, hélas, l'Oblivion. C'est même bien relou en général. C'est là que vous vous effondrez et que vous vous videz de vos. Mourez! Mais il vient me parler. Parle-moi. Béni soient les neufs. J'avais perdu tout espoir de revoir un visage amical. Oh. Les autres, Brie, ils ont été emmenés à la tour. Le capitaine Mathius nous avait demandé d'essayer de... J'ai réussi à m'échapper. Mais les autres sont éparpillés sur le pont. Capitaine, prêt. Allez, on va le faire tout seul, en mode speedrun. Hop. Donc, faut monter tout en haut de la tour et aller chercher le petit orbe là, pour pouvoir eh bien tout casser. Et refermer la porte. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je boing. Voilà, le courage. Ah, ça commence à se faire attaquer par des racines. Ça suffit. Racine, calme-toi. Oula. Bon, par contre, je suis pas très fan. Hop, voilà, merci. Oula. Ils balancent leur meilleur Hadoken. Ouh. Allez. Heureusement, nous, on a le pouvoir de Palpatine. Et le pouvoir de les esquiver. Attends. Ouais. Ouais, mais qu'est-ce que je fous? Ouais, non, bon. Rentrons dans celle-ci pour voir. Là, je crois qu'on peut pas en fait, lol. Lol.
Ouais, pas mal. Pas mal du tout, ça. C'est gratuit, on aime. Sauvegarde de prévention tout de même. Hop. Putain, je m'en doutais qu'il y en aurait eu un autre derrière. J'aurais dû m'en douter. Bon, bref. Allez, on se casse, moi, j'en ai marre. C'est vraiment le truc le moins drôle du jeu. Hop. Voilà, faut juste aller tout là-haut. Surtout qu'on va en bouffer plein pendant la quête principale, ces portes à la con, là. Oula, bye bye. Putain, il me faut une clé, merde. Dans la cage, par ici. Vite, vite, on n'a pas le temps. Vous devez aller jusqu'au sommet de la grande tour. On l'a trouvé, la pierre sigillaire. Retirez-la et la porte se fermera. Vite. Ok. Attention! Ouais! Chuquet blanc. C'est la mort, voilà, génial. Dans la cage, par ici! Poussez-vous! Ah ouais, ça me. Vous portez trop de charge? Ah non, c'est un malus qui doit me filer, oh le bâtard! Ah oh, vas-y, il est infâme lui! Par ici! Ah oui, il est vraiment horrible. What the fuck. En plus, il meurt à ton sort dès qu'il me touche. Ah, il est vraiment infâme, lui, à battre. Alors. Dans la cage, par ici. Voilà, merci. Voilà, ça va. Ça va se dissiper, c'est pas grave. Ah, oh, le sol est trop énervé là. Ok. Foiré, va. Fardeau de colère, je pense que ça peut être stylé ça. Vite! Ok, merci mec. Attends, je vais te libérer gros, t'inquiète. Haha. Y'a pas genre un moyen. Je crois qu'il y a moyen de le faire tomber, non? Prenez-la. Ne vous inquiétez pas pour moi! Ok, d'accord. Ouais, bon, la flamme elle est tout en bas. Je crois que t'as mal le faire tomber, le pauvre.
Eh non, je vais ski. Ouh putain, je suis dans la merde. Faut que je me soigne. Alors tout de suite. Ouais, merci. Ouh. Alors. Est-ce que genre, le petit marteau qu'il m'a donné, ça permet de ralentir les ennemis. Attention de force pour avoir ce... Ok. Ouais, c'est rouge et tout, dark. Laissez passer, lâche. Alors. Ouh, sa mère. Voilà. Allez, va-t'en Dark Maul. Ah, oh, parfait. Ah, ah. Oh, je suis en bas ou je suis en haut, là? Non, je... Ah, ok, compris. Ah, putain, ils m'ont suivi, merde. Éclatez, sac de sang. Ça ne veut rien dire ce que vous dites là. Ok, ok, c'est juste au-dessus. On y est, on y est, on y est. Oui. Porte ouverte avec les noms. Hein. Mais là, on peut le faire. Partez, tombez. Putain, je suis encore rempli de caca quoi, vite. Hein? Ah, c'est au-dessus, merde. Je suis con. Ah, je suis plus rapide avec mon arc, j'ai l'impression. Waouh, 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 merde. Là, 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 là. C'est pas le moment de faire de la merde, là. Allez, allez, allez. On y est presque. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, bah, bonjour, c'est pas mal, ça. Hop. Bye bye. C'est bon. C'est bon. Parfait. J'ai refait la part en repérant de la pierre sigillaire qui ancre Oblivion. Il faut que j'aille prévenir Soyan Natus que la voie est libre. Bon alors on va attendre une petite heure ici devant la porte, c'est pas mal. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez ramené de l'enfer. Je ne l'oublierai pas. Cette nuit a été terrible. Adieu. Vous avez fermé la porte? Je savais que vous réussiriez. Ah bon? C'est le moment de lancer une contre-attaque. Vous êtes le premier homme que j'ai vu, mais je savais que vous étiez le meilleur. Vous avez beaucoup plus d'expérience au combat que ces hommes. Pouvez-vous vous joindre à nous maintenant? Je peux attendre, mais pas trop longtemps. Nous devons faire vite. Plus nous attendrons. Oui, oui, juste parler à Martin. À Martin. Juste à Martin d'abord. Quoique, non, on va y aller avec eux, ce sera plus simple. Hop. Tout est prêt? Je suis prêt. Oh, oh, il prenait un élan en mourant. Oh, regardez, quel acrobate. Ouais, attendez-moi, les gars, je regarde des cadavres de gobelins. Mais attendez-moi. Ok, on est bien. Là, on est pas mal. Je suis entré dans la ville de Lovatch avec Salvian Matthews et ses hommes. Nous sommes entourés de ruines. Nous devons nettoyer la place sud avant de pouvoir sauver les survivants, que ce soit un chapelle. Venez, pour Patch. Vous allez mourir, bon sang. Attention, Dino, danger. C'est terminé. Bon. Palpatine, Palpatine. Eh bien, c'était censé m'impressionner. Quelqu'un s'est fait assassiner. Merde. Ah non, j'ai buté. Non, j'en ai buté un sans faire gaffe.
Zut. Je savais que mon sort il était un peu trop puissant. Plus en mode. Oh, attention, quelqu'un s'est fait assassiner, garde! Pas cool. Vous avez fermé. Allez, on y va. Ah merde! Ils doivent déjà être à l'intérieur là, m'attendre. Ok. On dégoude. Putain, mais il est incroyable! Peut-être buter l'autre derrière. Peut-être tuer le barque-moule. Putain, mais décède! Mais what the fuck? Mais. Putain, mais barque-moule! Voilà, merci, il crève quoi! C'est pas possible ça! Ah, cœur de Dédra. Ah, c'est pas aquatique, c'est pas mal ça. Non, il est mort. Ah non, il était juste KO. Il a le pass script sur lui. J'ai aidé Sanimatus et Sadium à reprendre la place du sud. Il faut que j'essaye avec lui la suite d'opération. On peut sortir les gens de la chapelle en toute sécurité. Entrons pour vérifier qu'ils vont bien. Venez. La bataille de Kvatch ne fait que commencer. Nous pourrons discuter de la phase suivante une fois que les civils seront en sûreté. D'accord. Non, repose en paix, mon ami. Putain, plus c'est le mec qu'on avait sauvé il y a 10 secondes. Et voilà, bah, désolé. Désolé, mec. Vraiment désolé. Oh, de l'armure légère, bah, parfait. Attends, mais non, mais. Ah, désolé, désolé, mon ami. Attends, je vais te rhabiller avec, avec ce que j'ai sur moi actuellement. Tant pis, tu ne veux pas mettre mes vêtements, bon, je comprends, ce n'est pas grave. Hop. Attends. Ah, ok. On s'en fout de ça, pourquoi j'ai ça. Ok. Allez, j'ai envie qu'on voit bien nos belles crêtes un petit peu. Hop, ok, let's go. Il n'y a plus que nous, monsieur. Berichignan, moi-même, et ces quelques civils. Martha. Tu as une tête de Martha, toi. J'ai appris que vous aviez aidé la garde à repousser les Dédra. Bien joué. L'empereur est mort. Qui êtes-vous? Alors qu'est-ce que vous me voulez? Oui, je suis prêtre. En cherchez-vous un? Dans ce cas, je suis désolé, mais je ne pense pas être en mesure de vous aider. Je ne comprends pas très bien à quoi jouent les dieux ces temps-ci. Oh, saleté, si tout ouais. Ceci fait partie d'une stratégie, je n'ai pas trop envie d'y être mêlé. Oh. Il y a un plan, nous en faisons partie. Quelle stratégie? De quoi est-ce que vous parlez? J'ai prié à Katoche tout au long de cette terrible nuit, mais aucune aide n'est venue. Nous avons juste vu arriver de nouveaux Dédra. Qu'est-ce que vous pourriez avoir à me dire qui m'aiderait à comprendre tout ceci? L'empereur Uriel Septime? Vous pensez que l'empereur est mon père? Non. Vous vous adressez à la mauvaise personne.
Je suis un prêtre d'Akatosh. Mon père était fermier. Mais oui, bien sûr. Tu n'es pas du tout l'élu de la prophétie magique. Ce serait trop bizarre, voyons. Ce serait un peu what the fuck. Oh là là. Vous avez parlé à l'empereur avant sa mort ? Et il vous a dit de venir me trouver ? Je ne sais pas. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que vous dites la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous me voulez ? On dit que vous avez détruit la porte d'Oblivion. Vous leur... Oui, je vais vous accompagner jusqu'au prieuré de Wynon. Ah, peut-être qu'il va pas... Peut-être qu'il nous suivait pas si on faisait pas la porte. Raconter. Alors, passez devant. Si on faisait pas la porte, peut-être qu'il était un... Non, t'as un blaireau, tu me dis de la merde. Ouais. Continuons vers le prieuré de... Attendez ici. Je vous fais... Voilà, il faut que j'aille aider les autres, là. Très bien. Reste en sécurité, maintenant. Le tour de la chapelle a été nettoyé, et tous ces gens doivent être mis en sécurité. Escortez-les immédiatement jusqu'au camp situé au sud d'ici. Et quelque chose de pire encore. Mais monsieur... On a réussi ? Incroyable ! Oh oui, ce n'est pas fini. Loin de là. Ce n'était que la première étape. Vous nous avez accompagnés jusqu'ici. Voulez-vous aller plus loin ? Si nous voulons vraiment réussir, votre aide ne me suffira pas. Loin de là. Je vous préviens. Tout ce que nous avons traversé n'est rien en comparaison de la bataille qui nous attend. Prenez le temps de souffler et de réfléchir. Ok. Faire une petite sieste alors. Tac. En vrai, Martin, il a le bouclier du scénar, donc il peut peut-être venir avec nous. Vers le... Allez, suis-moi, vite. Martin. Allez, suis-moi. Je n'arrive plus à trouver le sommeil. Quand je... Vous êtes prêt à partir ? Notre... Vous connaissez la marche à suivre. Reste. Allez, viens, Martin. On va se battre tous ensemble. Hop. T'inquiète pas, c'est absolument la route vers le prieuré. Hop. Ok, ok, ok. J'ai encore la voix un petit peu enrayée, hein. J'aime pas trop ça. On dirait vraiment que je suis en train de refaire ma puberté. Hein. C'est relou. C'est relou, c'est relou. Ça, c'est la faute de ce putain de gobelin si je suis tombé malade. Enfoiré, va. Oula, Martin, il se peut que t'aies reçu une petite flèche dans le bras, écoute. Il se peut que ce soit moi, quoi. Je suis navré. Je suis navré, c'était peut-être ma faute. Merde, ils sont passés où, les cons ? Alors, tu vas rire, je les ai paumés, les autres, en fait. Ils sont où ? Ah, ils sont là. Mince, ça ne va pas. Les portes sont fermées à clé, et on ne peut les ouvrir que de l'intérieur du corps de garde. On ne peut pas ouvrir cette porte d'ici. Maintenant, pour rejoindre la porte, nous devons emprunter le passage du bateau. Dépêchez-vous d'aller voir Berichignal. Vous le trouverez normalement à la chapelle. Il devrait avoir la clé du bâtiment des gardes. Ok. Vite, retournons-y. Nous avons vu la fumée qui provenait de la route d'or. En quoi pouvons-nous vous aider ? Mmh. Oh, mais venez, suivez-moi. On vous suit. Vous êtes les bienvenus. C'est un plaisir. Je ne l'oublierai jamais. Ce soir-là, il a sauvé un maximum de personnes. Ah, si seulement il avait accepté de rester avec nous à la chapelle. Non, c'est... Non. Tu n'as pas fait les lésions, tu parles au... Au pluriel. Je ne l'oublierai jamais. Tu dois dire, ah, si seulement ils avaient accepté de rester avec nous à la chapelle. Ah, si seulement il avait accepté de rester avec nous à la chapelle. Là, t'as tout raté. T'as tout raté, bordel. Et putain, encore la poule. Ah, je me sens mal pour toi, Martin. Désolé. J'attends que le capitaine Matthews donne l'ordre. Enfin, une chance de riposter. Oui, je l'ai. Pourquoi ? Vous rendez un petit service aux gardes et vous croyez que d'un seul coup, vous êtes le meilleur ami de Mathieu. Nique ta sœur, je rends une porte d'oblivion. Vous ne trouverez pas tout seul. Je viens avec vous. Si on réussit, je vous ouvrirai la porte.
Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ok, bah venez avec moi tout le monde. C'est parti. Martin, soldat impérial. Il est où? Mais... Ah, faut que j'aille dans la crypte, d'accord. Ah ok, j'ai pas capté. Désolé, je suis couillon. Ok, allons-y. Allez, c'est la fête là. C'est tout ce que vous savez faire? Oh là, mais quelle bataille épique! Au moins 12! Oh là là. Oh, de l'or, marteau apprenti, pas mal. Hop. Il est passé où l'autre? Il doit être là-bas. Allez, on y va. Oh là, c'est épique, là, il y a tout le monde avec nous, quoi. Incroyable. Faites le pire dont vous êtes capable. Faites le pire dont vous êtes censé m'impressionner. Oh, mais bon. Allez, suivez-moi, légionnaire. Oh là là, trop bien. D'ailleurs, légionnaire a des meilleurs tomes d'Astérix. Hein. Oh merde, pardon. Hop. Le mec qui clash le gobelin. J'ai déjà affronté des crabes des vases plus redoutables que toi, le gobelin. Alors, qu'est-ce que t'en... Ça te fait quoi quand je te dis ça? Foiré. Ah non, c'est un galopin, j'ai rien dit, pas un gobelin. Bon, y'a rien de... Hop. Pas grand chose à voler, hein. C'est bien dommage. Bon, allons-y. Vas-y, je te suis, mec. Ah, c'est là-dessous? Ok. Et voilà, l'entrée du passage. Bonne chance. Merci, mec. Si le capitaine Mathieu s'attend que vous ouvrez, je... Allez, let's go. J'ai trouvé l'entrée du tunnel. Je vais suivre le tunnel jusqu'à la porte pour ouvrir afin que les gardes puissent pénétrer dans la cour du château. Allez, on y va. Il y a toujours Martin avec nous qui n'a rien à faire là, mais... Il est courageux. Martin. Je vois la part du château de Gvatch, il faut à présent que j'aide. Que j'aide Salvan Mathius à éliminer les monstres qui s'y trouvent. Ouah, Azeroth! Putain, j'ai vraiment la voix cassée, j'en ai marre. J'espère vraiment que ça va finir par m'embêtre de cette maladie incurable. Mec.
Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Oh là, mais ce gang! Oh, mais le gang de requins, quoi. Énorme. La zone est dégagée. Il faut trouver le compte avant qu'il ne soit trop tard. Dépêchons! Ok, mec. On fait ça, y'a pas d'embrouille. Comment il me regarde? J'ai déjà affronté des crabes de vase plus redoutables que vous. Allez vous battre, lui faire n'importe quoi. Ouais, c'est comme ça qu'on se bat là. On se pousse son épée en tous les sens et hop. C'est drôle que Martin il meurt vraiment, c'est un vieux game over qui s'affiche. Hop. Oh, il l'a fait tomber. Hop. Parfait. Ouais. Ah, c'est moi qui suis mort vraiment pour le coup. Ouais, je fais pas gaffe à ma vie moi. En même temps, la barre de vie est tellement discrète. Ah, bah, en plus, vous la voyez pas parce qu'il y a ma grosse tête devant, mais voilà. Vous êtes pathétique. Montrez-moi ce que vous avez. Vous ne m'aurez jamais. Attention! Mourez! C'est là que vous vous éclatez et que vous vous videz de votre sang normalement. Non! Non, mon ami! Non! Non! Je vais prendre sa culotte en souvenir. Alors, on avait vécu tellement de choses ensemble. Laisse-moi voir ton visage une dernière fois. Adieu, petit homme. Bref. Allez-y, je vous suis. Ok, rien à foutre. Bon, allons-y. Attends, pourquoi il ne suit pas l'autre là? Mais vous me rendez quoi là? On va pas tout faire tout seul, nous. D'accord, ça y est. Nous couvrons cette zone. Repartez au château et trouvez-moi le comte. Ne revenez pas sans lui. Bah ouais, bande d'enfoirés. Démerdez-vous tout seul. Moi, j'ai pas que ça à foutre. C'est là que vous vous êtes. Allez, flingue-le. Prends la gros. Non, les crèves, bordel. Pardon, je voulais pas te taper. Reprenez votre santé pendant 2 secondes. Allez, vous êtes tous haut. Ah voilà, c'est bon, vous êtes tous au calme là. Ok, nickel, moi. Alors. Petite fun fact, j'avais dormi pendant cette mission et j'avais été me mettre dans un des lits qu'il y a dans le coin là. Attendez, hop. Voilà. Et en fait, genre, pendant que je dormais, il y avait le mec de la confrérie noire qui était venu me rendre visite. Du coup, c'était très awkward. Que le mec vienne. Pendant que je m'asseyais pendant 2 secondes sur un lit, dans un château assiégé par les Dédras. Où était-ce exactement? Je ne sais plus. Et voilà. Je crois que c'était pas très loin d'ici. Hein. Il y a une chambre avec un lit, un truc comme ça. Ah, c'est peut-être là-bas. Uh-huh. Oui, c'était là. C'était exactement là. Oh, parfait. Parfaitement parfait. À l'époque, je n'avais pas la voix enrayée. Aïe, aïe, aïe. Non, ça va aller. Allez, on y va.
Bagarre, bagarre, bagarre. Oh là là, c'est... Putain, 5 APV quoi. Putain, mais 4 dessus quoi, ils crèvent pas, c'est chaud. Putain, galopin, chopez-le. Vous allez mourir dans ça. Vous êtes plus frais. Oh, de l'or. Merci beaucoup pour les clochettes. Non. J'ai trouvé le cœur du duc Goldwyn. Il faut que je repasse à chevalier à Salvan Mathius. Oh là là là. Oh là, qu'est-ce que c'est triste, bordel. Qu'est-ce que c'est triste. Le pauvre duc. Oh là là, ils l'ont déshabillé, quoi. Oh, les monstres. Les monstres. Ils l'ont même mis à cuire, après. Oh là là, je peux pas y croire. C'est pas possible, ça. Vraiment, hein. Horrible. Horrible ce qui s'est passé. Vraiment, c'est indigne. Indigne. Même pour des draps, c'est lâche, quoi. C'est... Oh là là. Ça me va bien ou pas, Martin? Continuons vers le prieuré d'Awainan. À moins, bien sûr, que vous ayez besoin de quelque chose. Je trouve très premier degré ce soir, Martin. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe. Tu rigoles plus. Avant, quand je dépouillais des cadavres, tu rigolais, quoi. Ok. Vite. Bon, bah, allons-y, hein. Allez, avec moi. Incroyable. Où est le comte? Pourquoi n'est-il pas avec vous? Pourquoi avez-vous ces vêtements sur vous? Je regrette. Oh. À plat ventre dans une mort de sang, là, il est dead. Nous sommes arrivés trop tard? Si seulement on était arrivés plus tôt. Ah, c'est si seulement vous n'aviez pas passé 18 heures devant une porte. Mais je vous remercie d'avoir risqué votre vie pour nous aider. Vous avez trouvé l'anneau du comte. Au moins... peut faire, non, je ne l'ai pas. Merci. Je le protégerai jusqu'au couronnement d'un nouveau comte. Je peux totalement le voler. Hein. Tenez, prenez ça. Je n'en ai aucune utilité. Je suis là de me battre. Il vous sera peut-être utile. Mmh. Oh, obligé de te foutre à poil comme ça. Tu as... Ah, non, le... ah, mais je l'ai déjà volé sur le cadavre de ton pote. Au revoir. Ah, c'était pas nécessaire, quoi. Là, tu... Ah, là, là. Bah, écoute. Je vais mettre la tienne. Ah oui, la tienne, elle est mue, en fait. Ah oui, effectivement. Donc, celle de ton pote, je la dégage. Voilà. Hop, et voilà. Bon, il se peut, je garde un petit peu les vêtements du comte avec moi aussi, en attendant, mais voilà, c'est pas... C'est pas dit, quoi, c'est... Ok. Je crois qu'il faut les enchanter, les anneaux, les amulettes pour en faire quelque chose d'intéressant. Ah, par exemple, ça, tu peux faire quelque chose avec ça. Vous voyez, voilà. Là, je peux faire... attends, ça fait quoi? Réduction de fatigue, surfrappe, indication de dégâts, sur soi. Ok, alors du coup, si je prends l'anneau, là, ou l'amulette, hop. Et là, on peut le donner. On va appeler... Mmh.
J'ai pas d'inspire. Hop. Amulette. L'amulette coquette. Voilà, c'est pas mal. Hop. Voilà, l'amulette coquette. Ouah. Il y a un petit effet vert, là. Oh, il sent pas ton petit bouclier. Je suis là de me battre. Je me mets à poil. Hop. Oh, bah dis donc. Got rebuilt from the ashes once before, and she'll do it again. Wow. Vous êtes suicidaire, citoyen? Rangez cette arme maintenant. Bah dis donc. Restez pas là. On vient de se battre ensemble. Je vous écoute. En fait, la Légion ne sait pas qui est derrière le meurtre de l'empereur. Ce n'est pas la confrérie noire, en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose de pire? De pire. Le pire du pire. Adieu. Tout le plaisir est pour moi. Continuez, je vous... Qui es-tu? Au revoir. Continuons vers le... Allez, Martin, suis-moi. On va faire la fin. Je sais pas si je vais faire le retour à pied. Tout le retour avec Martin, là, ça va être compliqué. Allez, Martin, on se casse. Voilà, quel style. Globalement, il faut juste faire le chemin que j'ai refait en sens inverse, donc je trouve pas ça non plus très intéressant. Donc on va juste... non, on va juste se TP là-bas, je pense. Hop. Voilà. Désolé, hein. Ah, putain. Ah, voilà le karma. Le jeu, il est en mode, non, tu fasses travel pas, parce que sinon je plante. Connard. Merci beaucoup, le jeu. Allez, je me suis TP à l'écurie, comme ça, ça fait genre, on a fait un petit peu de trajet, quoi. Bah, il est bon. On se fait aggro par quoi? Ah oui, c'est vrai. Aidez-moi! Ils sont en train de tuer tout le monde au prieuré de Wynon! Oh, les salauds! Je ne sais pas. Je crois qu'ils ne sont pas loin derrière moi. Ah oui, effectivement, ils sont le pas loin derrière toi. D'abord, elle est morte. J'étais dans la bergerie quand ils ont attaqué. J'ai entendu le... J'ai regardé pour savoir qui c'était. Tout à coup, ils ont sorti des armes et ils ont abattu le prieur avant qu'il ne puisse faire un geste. Ils m'ont vu. Alors je suis parti en courant. Je ne sais pas. Dans la chapelle en train de prier, je crois. Alors allons-y. Ouais, arrête. Ouais. Il faut trouver votre ami Geoffre. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Vite, il faut aider le frère Pinner. Comme ça, au calme. Vite, allons aider le frère Pinner dans sa quête. Il a peut-être lâché son katana, lui. Eh merde.
Charpineur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas te taper contre les chèvres? Mais qu'est-ce que tu fais? Par le sang des dieux! Allons! Hop! Vite à la chapelle! Allons aider Mr. Geoffrey! Vous arrivez juste à temps. Je prends le coup! Réjouissez-vous! Paradis! Vous revoilà. Talos soit loué. Ah. Ils ont attaqué sans prévenir. J'étais en train de prier dans la chapelle quand j'ai entendu le prieur Maborel crier. J'ai juste eu le temps de trouver une arme. L'amulette des rois. Je me doutais quelle était la cause de cette attaque. Je la gardais dans une salle secrète de la maison de Waynon. Nous devons vérifier si elle est en sécurité. Nous irons ensemble. Ils l'ont prise. L'amulette des rois a disparu. L'ennemi nous a battus à tous les niveaux. Ainsi, tout n'est pas perdu. Talos soit loué. Nous avons perdu l'amulette des rois, mais gagné l'héritier d'Uriel. Martin ne peut pas rester ici. Nous les avons repoussés, mais ils reviendront dès qu'ils apprendront que Martin a survécu. C'est certain. Aucun endroit n'est vraiment sûr quand on sait la puissance démesurée qui se déchaîne contre nous. Mais nous devons essayer de gagner du temps, au moins. Le temple du maître des nuages, je pense. La forteresse cachée des lames, dans les montagnes, près de Bruma. Quelques hommes suffisent pour la défendre contre une armée. Nous devons partir sans tarder. Maintenant que l'amulette est aux mains de l'ennemi, nous devons placer Martin en sécurité au temple du maître des nuages. D'accord. Oui, on a gagné un cheval, ça c'est beau. D'accord. D'accord. Le couronnement de chaque nouvel empereur est finalisé lorsqu'il utilise l'amulette des rois. Les feux de dragon d'Akatosh restent allumés jusqu'à la mort de l'empereur. C'est son successeur qui les rallume lorsqu'il monte sur le trône. Puisque l'empereur Uriel est mort et qu'aucun successeur n'a été couronné, le temple de l'Unique sera sans lumière pour la première fois depuis des siècles. Nous devons nous dépêcher. Je ne serai pas tranquille tant que Martin ne sera pas en sécurité au temple du maître des nuages. Allez, prenons nos poneys. Ah, cool. Oh là là. Et pour la prochaine fois dans cette aventure d'Oblivion, nous ferons un grand voyage avec Martin et Geoffrey vers le temple du maître des nuages, qui se trouve quand même à une bonne trotte. Hein. Voilà. Un peu moins long que Gvatch, je l'ai dit, mais voilà. Bref. C'est ce que nous verrons la prochaine fois dans cette aventure d'Oblivion. Des bisous.